Au revoir, Laureano. Au revoir, mes amis. Adieu, sauvage. C'était vraiment une radiographie émotionnelle d'un peuple qui s'émeut d'amour, qui s'émeut de beaucoup trop ressentir, s'intéresser principalement à l'épidémie des suicides. Mais une fois sur place, j'ai pu constater 7 suicides sur 10 étaient motivés ou liés au mal d'amour. Si bien on partait du point principal qui était les suicides, ça a devenu une sorte de quête identitaire puisqu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui me tiraillait en moi. Ce qui m'a appris en quelque sorte, en fait, c'est la non-définition de soi. J'ai été tiraillé constamment par cette question de qu'est-ce que je suis. Et avec ces patrimoines génétiques d'Amérindien, j'ai pensé en quelque sorte que je pouvais l'être. La rencontre avec Laureano m'a permis de comprendre que je ne suis pas un Indien. Et en fait, c'est très bien, c'est OK aussi de savoir ce qu'on n'est pas. Peut-être que je n'ai pas vraiment une notion de ce que je suis, mais je pense que j'aurai une notion plus claire en sachant ce que je ne suis pas. Et ça me permet aussi de comprendre que nous sommes questions, nous ne sommes pas réponses.